Bonjour et bienvenue au Cyberon Rejoignez pour Cyberon en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous en ce quatrième dimanche pascal, dimanche du bon pasteur. Donc notre rendez-vous avec le pape François pour la prière du Regina Caeli. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'évangile d'aujourd'hui nous offre quelques expressions prononcées par Jésus lors de la fête de la dédicace du Temple de Jérusalem que l'on célébrait à la fin du mois de décembre. Il se trouve justement près du Temple et peut-être cet espace sacré clos lui suggère l'image de la bergerie et du pasteur. Jésus se présente comme le bon pasteur et dit « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. » Ces paroles nous aident à comprendre que personne peut se déclarer disciple de Jésus s'il n'écoute pas sa voix. Et cette écoute ne doit pas être entendue de façon superficielle, mais d'une façon entraînante, au point de rendre possible une véritable connaissance réciproque de laquelle peut jaillir une suite généreuse exprimée dans les paroles « et elles me suivent ». Il s'agit d'une écoute non seulement de l'oreille, mais de l'écoute du cœur. Donc, l'image du pasteur et des brebis montre le rapport étroit que Jésus veut établir avec chacun d'entre nous. Lui est notre guide, notre maître, notre ami, notre modèle, mais surtout, il est notre sauveur. En effet, dans la phrase successive du texte évangélique dit « Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. » Qui peut parler comme cela? Seulement Jésus, puisque la main de Jésus est une seule chose avec la main du Père. Et le Père est le plus grand de tous. Ces paroles nous donnent un sens de sécurité absolue et de tendresse immense. Notre vie est totalement en sécurité entre les mains de Jésus et du Père, qui sont une seule chose, un seul amour, une unique miséricorde révélée une fois pour toutes dans le sacrifice de la
croix, pour sauver les brebis égarées que sommes nous tous. Le pasteur s'est fait agneau et s'est laissé immoler pour prendre sur lui et ôter le péché du monde. De cette façon, il nous a donné la vie en abondance. Ce mystère se renouvelle dans une humilité toujours surprenante sur la table, le banquet eucharistique. C'est là où les brebis se rassemblent pour se nourrir. C'est là qu'elles deviennent une seule chose, entre elles et avec le bon pasteur. Pour cette raison, nous n'avons plus peur. Notre vie est maintenant sauvée de la perdition. Rien et personne pourra jamais nous arracher de les mains de Jésus, puisque rien et personne ne peut vaincre son amour. L'amour de Jésus est invincible. Le malin, le grand ennemi de Dieu et de ses créatures, essaye de plusieurs façons de nous arracher à la vie éternelle. Mais le malin ne peut rien faire si nous ne lui ouvrons pas les portes de notre âme en suivant ses flatteries trompeuses. La Vierge Marie a écouté et suivi docilement la voix du bon pasteur. Qu'elle nous aide à accepter avec joie l'invitation de Jésus à devenir ses disciples et à vivre toujours dans la certitude d'être entre les mains paternelles de Dieu. Regina Celi Letare, alleluia. Qui a permesso portare, alleluia. Resurrexit, sicudixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet Letare, Virgo Maria, alleluia. Qui a surrexit Dominus Vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione Fili Tui, Domini Nostri, Gesù Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genitricem Virgen Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per unem Christum Dominum Nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Profidebit libos defuntis, Regim aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et sot nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, ringrazio. Je remercie tous ceux qui m'ont accompagné par la prière, la visite que j'ai réalisée hier sur l'île de Lesbos, en Grèce. Aux réfugiés et au peuple grec, j'ai apporté la solidarité de l'Église. Avec moi, il y avait le patriarche œcuménique Bartholomée, et l'archevêque Hieronymus
de Athènes et de toutes les Grèces, pour signifier l'unité dans la charité de tous les disciples du Seigneur. Nous avons rendu visite à l'un des camps de réfugiés. Ils venaient d'Irak, d'Afghanistan, de Syrie, d'Afrique, de beaucoup de pays. Nous avons salué environ 300 réfugiés. Personnellement, tous les trois, nous les avons salués un par un, Bartolomé, l'archevêque Hieronymus et moi-même. Beaucoup d'entre eux étaient des enfants. Certains de ces enfants ont assisté à la mort de leurs parents et de leurs camarades. Certains d'entre eux morts, noyés dans la mer. J'ai vu tant de douleurs. Et je vais vous raconter un cas particulier. Un homme, un jeune, il n'a même pas 40 ans. Je l'ai rencontré hier avec ses deux enfants. Il est musulman. Et il m'a raconté qu'il avait épousé une jeune femme chrétienne. Ils s'aimaient. Ils se respectaient réciproquement. Malheureusement, cette jeune femme a été égorgée par les terroristes puisqu'elle n'a pas voulu nier le Christ et a abandonné sa foi. C'est une martyre. Et cet homme pleurait beaucoup. Cette nuit, un violent tremblement de terre a frappé l'Équateur, où il y a de nombreuses victimes et des dégâts importants. Prions pour ces populations et aussi pour celles du Japon, où il y a eu aussi des tremblements de terre au cours de ces derniers jours. Que l'aide des dieux du prochain leur donne la force et le soutien. Aujourd'hui est la journée mondiale de prière pour les vocations. Nous sommes invités à prier pour les vocations au sacerdoce et à la vie consacrée. Et en cette journée, j'ai ordonné ce matin 11 nouveaux prêtres. Je renouvelle mes salutations aux nouveaux prêtres, à leurs familles et à leurs amis. Et je demande à tous les prêtres, les séminaristes, à participer à leur jubilé dans les trois premiers jours de juin. Et à vous, jeunes, adolescents, adolescentes, vous qui êtes ici sur cette place, pensez peut-être à consacrer votre vie au service du Seigneur, aussi bien dans le sacerdoce, c'est que dans la vie consacrée. Je salue avec affection vous tous, je vous salue, pèlerins venus d'Italie et de nombreuses parties du monde.
il y a des familles, des groupes paroissiaux, des écoles et des associations. Je vous bénis tous. Je salue en particulier les fidèles de Madrid, São Paulo au Brésil et Varsovie, ainsi que les pèlerinages des diocèses de Cerreto, Sanita Telese, Santa Cate dei Goti, Sienne, Colva d'Elsa, Montalcino, accompagnés de leurs évêques. Je salue les fidèles d'autres villes de la péninsule italienne, la chorale laurenziana di Mortara e il gruppo genitori per la terapia intensiva. Je salue aussi les parents de soins intensifs pour les nouveau-nés. Je suis proche de nombreuses victimes qui s'inquiètent pour la question du travail. Je pense en particulier à la situation précaire des travailleurs italiens du call center. Et j'espère que surtout prévaudra toujours la dignité de la personne humaine et pas les intérêts particuliers. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le pape François mercredi prochain vers 10h moins quart pour l'audience générale. Un grand merci à Edouard qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédia ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite moi aussi un bon déjeuner et à très bientôt sur KTO.